Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce petit épisode de Trèfle. Il est 8h. Je viens de tomber sur une dinguerie. On vient de me rapporter une dinguerie. Fallait que je teste ça. Fallait que je teste ça avec vous. Quand tu vas voir ta chère maman et que tu lui dis « Maman, puis-je avoir un col 1911 ?» et qu'elle te dit « Nous avons un col 1911 à la maison. Le col 1911 à la maison. » Cette merde est un pistolet superposé en 410. C'est moche. C'est super moche, mais il fallait que je teste ça, c'est obligé. Ça a été fait par Rexio en Argentina. Argentina. Alors, pour ce qui est de la précision probable pour cet épisode, je dirais niveau moins 12. Étant donné que je me suis mis une cible de 2,5 au fond, là, parce que j'avais rien d'autre. D'ailleurs, elle est dangereusement proche de ma caméra, ou plutôt la caméra est dangereusement proche de la cible. Donc j'espère que ça tire droit, cette bouse. Pour ce qui est du niveau de fun probable, ça en revanche... Voilà. Donc aujourd'hui, je vais tirer des Winchester Super X Slug. Des slugs de 1/5 de hose. Parce que vive les unités de mesure de débiles. Mon Dieu. Let's get ready to rumble. Woohoo. Ah. C'est quoi cette queue de détente? Sans déconner. Bon, ça va, niveau recul, c'est le niveau 0. Hein. On ne sent rien du tout. C'est quand même pas le top du top de l'agréable non plus, vous voyez, hein, c'est... On va pas se mentir. Non, la munition, ça va dans l'autre sens, ça va rien. On va pas se mentir, c'est quand même pas terrible. Allez, on va essayer... Donc c'est une pression par chien. On va essayer d'aller vite. Oui. Alors là, je pense très franchement que pendant le tir, on va voir au ralenti, mais j'ai dû fermer les yeux comme un con. Non, parce que je vais pas vous dire que ça inspire pas la confiance. Mais je crois que je préférerais me faire rouler dessus. On va être clair. Hein. Allez, j'ai pris 4 cartouches de plus parce que je suis comme ça, moi. Je fais des trucs de riche. Allez, on va essayer à une main. Oh putain. Alors, le premier, j'étais pile dedans. Le second, ouais, pendant le tir, j'ai senti que j'étais à côté. C'est impressionnant que j'ai réussi à toucher, déjà. Alors, ça a réellement des plaquettes ergonomiques de Colt 1911. C'est... Waouh. Non, sans déconner. J'ai quasiment fait un bullseye avec ça, de la main gauche. Non. Non. Adrien, tu peux pas être mauvais avec un Mauser 1910, c'est bon avec ça. C'est une plaisanterie. Training montage. Oudre numéro 4, le nouveau parfum, French Honey.
Bref, bah c'est pas si nul que ça. C'est complètement con, c'est de la BU, mais c'est... Ouais, fine. Mais, voilà. Bon, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Et oui, je vous ferai un truc comme ça, en douce.